Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche, nous allons pouvoir du coup voir la préparation du tournoiré. Attention, qu'est-ce que nous avons de beau? Tadadadam, 5 étoiles, bataille sanglante, ciao le feu. Donc en toute logique, le vert serait donc à prioriser. Alors j'ai la bataille sanglante, il me faut des sbires. Les sbires, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai Frost, déjà, hop, donc sûr qu'on va le mettre. En 5 étoiles vert, bah j'ai un gardien caméléon qui est presque au full défense. Mais est-ce qu'il en vaudrait la peine? Alors déjà, on va le mettre. Hop. Un chouïa de défense de plus. Voilà, est-ce que j'aurai assez? Alors oui, si je fais ça. Et ça. Voilà, parfait. Du coup, maintenant, il est niveau 1. Il a du coup une belle défense et de beaux PV. Sachant que si je le mets au milieu, il va augmenter vas-y l'attaque et les coups critiques et enlever tous les effets négatifs possibles et inimaginables. Et positifs aussi, imaginables aux alliés, ce qu'il pourrait leur faire. Donc ça serait cool, parce que du coup, si jamais, par exemple, j'ai quelqu'un en face qui se augmente la défense ou autre, même si c'est un effet non purifiable, mais dès qu'un malin va le dire, et eh bien en fait, non, je m'en fiche. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va mettre Devana aussi, comme ça va être vive les coups critiques, vive la République. Je mangeais un petit peu. qu'est-ce que j'ai de beau? Faline, incontournable Faline. Et Malina, peut-être. Si je les mets, ce serait cool dans le sens où j'aurais 3 2021, du coup j'aurais 3 pour 20% de chance de faire un coup critique. Plus, bon, qu'est-ce que tu fais? Plus le gagnant Caméléon qui donne 36. Et du coup, une chance sur deux qui fasse un coup critique. Donc, je pense que c'est quand même un bon deal. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et je pense que c'est pas mal. C'est même très très bien. Même très très bien. Est-ce que je me tâterais à faire ça? Problème, c'est que j'ai envie de le garder pour la Dame du Lac. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va en avoir un verre prochainement, donc je ne vais pas prendre de risque à me le dépenser. Je vais d'abord attendre d'être sûr d'avoir pour la Dame du Lac avant de faire le gardien caméléon. Et voilà. Oui, les troupes. Troupes, dernier détail que je pourrais voir si je pourrais faire quelque chose de mieux. Mettre celle-là parce que là du coup ça augmente moins la défense, la génération de PV, ça fait une belle jambe. Là par contre ça me donne plus de V et 10 points de coup critique en plus. Je suis plutôt preneur pour cette option. Gardien caméléon, je vais laisser cette troupe. Je vais qu'il a toujours rapidement. Et ensuite, de toute façon, j'ai pas vraiment l'embarras du choix. On va rester comme ça et je pense qu'on va rester comme ça. Ouais. J'ai vendu, appliqué. Ce sera du coup mon équipe de défense de la semaine. Nous espérons et j'espère vraiment que ça tiendra le coup et que ça donnera des résultats. Je vous dis à très vite. Excellente journée à vous et prenez soin de vous.